ainsi que toutes les âmes du purgatoire, par l'intercession de notre Dame du bon Dieu, demandée par Alphonsine. Messe pour le repos éternel de son Excellence Félix Houphouët-Boigny, Bazaise Vincent, Jean-Claude Couteau et Amani Molo, Madeleine, demandé par Maman Tilo. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix demande cette messe à l'occasion de son 28e anniversaire de décès du président Félix Houphouët-Boigny. Messe pour le repos éternel du président Félix Houphouët-Boigny à l'occasion de son 28e anniversaire de décès, demandé par l'office du mémorial Félix Houphouët-Boigny et sa famille. En vous souhaitant une bonne participation, nous vous confions à Notre-Dame de la paix afin qu'elle nous aide à persévérer par l'amour de son Fils. Veuillez vous mettre debout pour accueillir le cortège des célébrants. Oh,
Le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, celles et ceux, nous sommes rassemblés comme famille. Nous sommes rassemblés comme fils et filles du président Félix Houphouët-Boigny, femme noire de son œuvre extraordinaire de paix, de patriarche de la nation ivoirienne et de fondateur de cette nation, mais également du donateur de ce sanctuaire. Ce jour est pour nous l'occasion de rendre grâce à Dieu pour le don du président Félix Houphouët-Boigny à la terre des Burundi, à la terre de Côte d'Ivoire, et prier afin que, non seulement, le Seigneur lui accorde le repos éternel, mais qu'il assure à sa nation, à sa bien-aimée patrie, paix et prospérité. Voici la nouvelle que nous rassemblons ce jour et que nous voulons offrir comme intention principale de cette Eucharistie. Et afin que notre offrande soit agréable à Dieu, notre Créateur, reconnaissons que nous sommes pécheurs et implorons avec confiance le pardon et la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi les frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Oh,
Prions le Seigneur. Seigneur, tu es la vie de tes fidèles, tu es la gloire des justes, et ton propre Fils nous a rachetés par sa mort et sa résurrection. Regarde avec bonté ton serviteur Félix Houphouët-Boigny. Puisqu'il a cru à la résurrection dans le Christ, accorde-lui de goûter le bonheur qui ne finit pas. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez moi dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se chantent en plaine. Et les sommets en large. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et peut-être le cher pleura que la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit, proclame. Et je dis, que vais-je proclamer? Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce. Comme la fleur pêche. L'herbe se déchète, se dessèche, et la fleur se frappe quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui, le peuple est comme l'herbe. L'herbe se dessèche, et la fleur se frappe. Mais la parole de notre Dieu demeure. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici notre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras le soulève. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis. Parole du Seigneur. Thank you.
S'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle, plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Ambassadeur de la Palestine. Madame Jikan Sanato, ministre conseiller de l'ambassade du Cameroun. Professeur Maurice Gantou-Dikawi, secrétaire exécutif du comité RDA, représentant le président Henri Conan-Bétier. Professeur Hubert Lai, président exécutif du PPACI, représentant le président Laurent Gbagbo. Monsieur Jean Capo Kirombe, maire de la commune de Yamoussoukro. Monsieur Jean-Noël Oukou, secrétaire général de la Fondation Félix Mouami et la Recherche de la Paix. Distinguées autorités administratives, politique, coutumière et religieuse de la ville de Yamoussoukro. Chers frères et sœurs, aujourd'hui n'est pas un jour de deuil, mais aussi ne prenez pas la couleur violette que nous portons pour célébrer cette Eucharistie n'est pas de désespoir. Elle est plutôt le signe de notre espérance. Espérance du fait que, après les longs services accomplis de la nation ivoirienne, le Père fondateur de la nation ivoirienne repose désormais auprès du Seigneur. Cette messe est donc un devoir de gratitude de tous les fils et filles de cet illustre personnage. Un devoir de gratitude
tous ceux qui sont nourris à la manne de sa connaissance et de sa perspicacité. Cette Eucharistie se veut donc comme une action de grâce à Dieu pour avoir donné la Côte d'Ivoire, le président Houphouët. Merci Seigneur d'avoir accordé à ce pays un père, un chef, un maître et un sage. Merci Seigneur d'avoir accordé à notre nation d'être née à l'homme de ce grand homme, qu'elle su instiller dans nos cœurs le respect du travail bien fait, le goût de l'excellence et la passion pour son pays. Nous sommes venus ce jour célébrer la mémoire d'un grand homme. Et je n'ai plus qu'un devoir, c'est un privilège. C'est le privilège de ceux qui regardent le passé avec gratitude, afin de pouvoir scruter l'avenir avec espérance. Célébrer la mémoire du président Houphouët est le privilège de ceux qui savent que l'avenir ne se construit pas sans le passé. Et à ce propos, l'évangile de ce jour est très éclairant. Le texte sacré nous raconte que un berger perdant une seule de ses brebis ne se contente pas des 99 autres, la retourne en arrière pour la rechercher. Et quand il la retrouve, il est plein d'allégresse et de joie. De façon allégorique, les 99 brebis doivent représenter aujourd'hui le présent ou encore l'avenir. Et la brebis est égarée, le passé, notre passé. L'élection du Seigneur à notre endroit, en ce jour, célébrons le président Houphouët, est de repartir rechercher notre passé. Côte d'Ivoire, terre des Burundis, où as-tu égaré ton passé? Qu'as-tu fait de ton passé? Penses-tu pouvoir construire l'avenir dans une référence à ton passé? Car sache-le, la maison de l'avenir se construit avec la brique du passé. On m'a rapporté une histoire qui me plaît de rappeler souvent, qui eut lieu quelque part dans un village où la participation à la célébration eucharistique ne rencontrait pas beaucoup d'adhérents, à telle enseigne que l'évêque de ce diocèse a demandé au curé de la paroisse de fermer l'église. Le curé donc de la paroisse a organisé une dernière messe. Il a fait mettre partout dans le village cette annonce. Dimanche prochain, messe de requiem de Dieu. Et ce dimanche-là, de façon extraordinaire, l'église était pleine, à craquer. Tout le monde se demandait à quoi pouvait bien ressembler une messe de requiem pour Dieu. À la grande surprise, lorsqu'ils entrent dans l'église, ils voient effectivement devant l'autel un cercueil. Et le prêtre célèbre la messe de requiem et à un certain moment, il demande aux fidèles de venir payer leur hommage, leur dernier hommage à Dieu. Beaucoup étaient intrigués par cette demande, mais chacun se demandait à quoi pouvait bien ressembler le cadavre de Dieu. Alors ils s'avancent l'un après l'autre, un peu hésitant au début, et finalement, toute l'assemblée se met en branle. La grande surprise, c'est que tous ceux qui se penchaient pour regarder à quoi ressemble le cadavre de Dieu, s'en retournaient à leur place en pleurant amèrement, en se frappant la poitrine. Le fait est que, dans le fond du cercueil, le curé de la paroisse avait mis un miroir. Il semble que tous ceux qui se penchaient pour voir l'intérieur du cercueil, à quoi ressemble le cadavre de Dieu, voyaient le reflet de leur propre visage.
Parce que là où Dieu meurt, le frère et la sœur, c'est l'homme qui est mort. Là où Dieu n'est plus, c'est l'homme qui a été assassiné. Et ce qu'on peut dire de Dieu, on peut également le dire de son passé. Une nation qui enterre son passé. Sacrifie sa propre âme. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour faire mémoire du président Houphouët parce que nous ne voulons pas oublier de qui nous sommes des fils. Nous n'avons pas le droit d'oublier de qui nous sommes des héritiers. Et le président Houphouët, mes chers frères et sœurs, est un trésor national. Il n'a propriété de personne, d'aucun parti politique, d'aucun mouvement, d'aucune obédience que ce soit. Le président Houphouët-Boigny est le président de tous les Ivoiriens, le père de tous les Ivoiriens. Il faut libérer la mémoire du président Houphouët des tactiques politiciennes, démagogues. Il faut s'approprier l'héritage et la personne du président Houphouët. L'année dernière, à cette semaine en pont, nous avons émis une demande que le 7 décembre soit désormais un jour férié, qui soit consacré à la promotion et de la personne et de la mémoire du président Houphouët. Nous attendons encore que ce rêve, ce pur rêve, devienne réalité. Et nous espérons que bientôt cela sera réalité. J'ai déjà récemment un ami qui a été dirigé par le professeur Jean-Noël Houphouët, Histoire et politique. Et là, à propos de ce livre, j'ai lu cette sagesse, ce test de la sagesse africaine. La réussite d'un fils aîné s'apprécie à la trajectoire de ses cadets. La réussite d'un fils aîné s'apprécie à la trajectoire de ses cadets. Ce que la mémoire du président Houphouët sera pour les générations futures dépendra parce que nous, fils aînés du président, aura accompli à sa mémoire. Aujourd'hui, nous voulons tout simplement, encore une fois, nous réjouir de pouvoir nous rassembler pour célébrer la mémoire du président Houphouët. Et ici même, à cette tribune, je voudrais annoncer un nouveau prix qui sera organisé en partenariat avec la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Un concours de dessin à l'adresse des élèves des lycées et collèges de Yamoussoukro, d'abord plus tard, de la Côte d'Ivoire. Et beaucoup de dessins à la mémoire du président Houphouët. Ce concours sera lancé chaque année, le 18 octobre, jour anniversaire du président Houphouët, et les résultats du concours seront proclamés chaque année, le 7 décembre. Nous ne voulons pas que la mémoire du président Houphouët s'étiole. Nous travaillerons tous pour maintenir ce héritage. Et enfin, nous ne nous trompons pas, cette messe n'est pas seulement célébrée pour le président Houphouët. Elle est célébrée pour nous qui avons une responsabilité vis-à-vis de l'histoire de notre pays et faire fructifier ce que le président Houphouët, par la grâce de Dieu, a semé la terre de Côte d'Ivoire. Puisse le Seigneur, dans sa grande bonté, nous accorder de réaliser ce défi, de réaliser ce rêve, à lui honneur et gloire, maintenant.
Bien-aimés frères et sœurs, notre rassemblement de ce jour est une prière. Votre Père prenez ce forum. Et prions aussi maintenant pour tous ceux qui l'ont côtoyé, tous ceux qui ont été ses collaborateurs et sont en partage avec lui, qui partagent aujourd'hui la responsabilité de conduire les règles de notre nation. Pour notre Saint-Père, le Pape François et tous les évêques, afin que Dieu Tout-Puissant les assiste dans leur apostolat à réconcilier les âmes qui leur sont confiées pour former une seule famille de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Pour le président Félix Houphouët-Boigny, généreux donateur de cette basilique que Dieu a rappelée auprès de lui il y a 28 ans, afin que le Seigneur l'accueille dans son royaume éternel. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les autorités civiles, pour ceux qui gouvernent les nations, en particulier pour le président Alassane Ouattara, pour les responsables des organisations internationales, que le Seigneur, prince de la paix, inspire tous leurs projets, éclaire toutes leurs décisions et les conduise à des choix raisonnables et opportuns pour construire un monde de progrès et de paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, afin que Jésus transforme nos cœurs, pour que nous recherchions toujours le droit et la justice, et travaillons aussi pour la paix dans notre famille, dans notre pays et dans le monde entier. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Salut des vivants et des morts, par celui qui est le chemin, la vérité et la vie, Jésus, le Christ, notre Seigneur.
De sa mort. Que ce sacrifice de louange et de paix lui donne accès à l'assemblée des saints par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Sanctifie cette offrande en répandant du sel de ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit. Et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour de même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle. Qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de Nous implorons ta bonté sur les fils et les filles de cette nation. Nous
permet avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Jean-Paul II et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions d'allonge à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Thank you.
croit en moi, même s'il meurt, aura la vie éternelle. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne serai ni de plus que moi, mais ni sur les mains de moi, ce serait Nous sommes à présent invités à la table principale du Seigneur. Seuls les chrétiens catholiques baptisés ayant fait leur première communion et qui se sont préparés notamment par la réconciliation avec Dieu pour recevoir le corps de Christ. Thank you.
Prions en le nom du Seigneur. Tu me fais vivre, Seigneur, mais tu le rends plus fort quand tu me donnes en tout tes soucis. Qui s'en profondera dans le ciel dans sa vie, en le purifiant de tous ses péchés, qui lui ouvre la porte de ton royaume, par Jésus. Veuillez vous asseoir. Nous aurons nous en quelque chose, même si ce n'est pas sujet d'actualité. C'est le secrétaire général de la Fondation de Félix Foucault-Pommier, professeur Jean-Noël. Mais avant, je voudrais rappeler l'assistante à la présence de l'Église des Sous-Églises de l'Honneur, du dispositif de l'Église de l'Honneur, de son justicier. Si l'excellence de son ambassadeur, et Madame Monique Daoué, membre de la famille Foué. Nous accueillons à présent le professeur Jean-Noël de
bien-aimés frères et sœurs, célébrant sous les Eucharisties, convient de notre monnaie ensemble la Vierge Marie, à qui la Crèche confiait ce sanctuaire, en disant ensemble la prière de l'Angelus. Veuillez-vous mettre en amour. L'ange du Seigneur apporte à la mort de Sainte Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Priez. Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange, ton Verbe prêché dans le sein de la Vierge Marie, réponds à nos supplications. Puisque nous la croyons vraiment Mère de Dieu, fais que nous trouvions secours dans sa prière auprès de toi, toi qui es Seigneur et qui vis, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous allons Dieu. Excellente journée à toutes et à tous. Pardon. Mais la, 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 la.
Ils vont pas là-bas. Oui, on fait ça, évidemment. Oui, on fait ça. Ouais. S'il te plaît. Monsieur le ministre, tâchez. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Félix Houphouët-Boigny, 28 ans déjà. Exactement, nous sommes venus honorer la mémoire du président Houphouët-Boigny, comme vous l'avez dit, dans l'esprit règne encore la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus lui rendre hommage. Il est avec moi ici, le président du PPAC, le Saint-Louis, et ici à côté de la délégation. Également venir prier spécialement le président Houphouët-Boigny pour prier pour la Côte d'Ivoire, surtout en cette période où nous parlons de dialogue politique. Je vous inscris que par ces prières, Dieu descend sur la Côte d'Ivoire pour que la réconciliation puisse être inférieure. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus. Nous avons assisté à une très belle messe. Le prêtre a fait une très bonne homélie avec un enseignement. Et il nous a soumis un projet auquel nous adhérons, c'est l'organisation d'un concours sur le feu de Bagny pour perpétuer la mémoire du feu de Bagny au niveau des générations qui viennent. Merci. Laisse-moi bien là, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Professeur, quel est le sens de votre présence à cette élection? Monsieur le ministre, bonjour. Je suis venu représenter le président Laurent Gbagbo à cette messe 28e qui célèbre la mémoire de notre père, le père de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny. Vous savez, en dépit de ce que l'on peut penser, le président Houphouët-Boigny a toujours été dans le cœur du président Laurent Gbagbo et il a tenu, en cette occasion de sa présence sur le territoire de Côte d'Ivoire, notamment depuis le 17 juin, à marquer de sa présence, n'est-ce pas, cette cérémonie en l'honneur du président Félix Houphouët-Boigny. Donc ma présence signifie la communion d'esprit du président Laurent Gbagbo avec tous les Ivoiriens en ce jour anniversaire. Merci. Ils vont les dire au prêtre. Le photographe l'a placé. On recule. Recule un peu sur le mur. Sans trop respirer, c'est ça. Reculons. Thank you.
D'accord, j'ai dit d'accord.